Non, franchement, j'aime bien. C'est clair. T'as intérêt parce que ça va être depuis 10 ans qu'il est en train de le faire là. C'est depuis ce matin. Hein. J'ai ouais, commencé ce matin. Clair, hein. Et tu vas mettre quoi à l'intérieur? Voilà. Par un creeper. Non, c'était à moi. Non, c'est mon creeper. Non, mais voilà. À c'est moi. C'est ça. Je sais pas quoi faire à l'intérieur. Je sais pas comment reboucher ça ni rien. Je vais déjà commencer par creuser. Ouais. Creuser le sol, j'ai une breaking, j'ai une breaking. Si tu fais un énorme centre commercial dedans. Ah non, c'est mon manoir. Ah, c'est ton manoir personnel en plus. Bah ouais, le gars se fait pas chier quoi. C'est trop ça quoi. Bah, on me demande de construire un squat, donc je construis. Ah non, mais t'as raison, c'est beau. J'aime bien. Là en fait, ça tu vois, c'est juste. Par contre, moi j'aurais bien mis des torches à côté des trucs d'émeraude parce que du coup on les voit pas, c'est tout seul. Ah non, c'est parce que moi j'ai un net vision donc. Ou de la glow ou je sais pas. Il se la pète en plus parce qu'il en a de vision. Mais non, mais c'est pour ta gueule. Là. M'en fous, c'est moi qui imagine un peu automatique. C'est rageant. Ça fait que trois popos différentes, mais c'est ça quand même. Ouais, non, mais ça c'est bien. Faillot, faillot. Comme c'est bien, on voit que tu ranges pas du tout. En plus, 5. Bravo, maman. A 4, excuse-moi, c'est pareil. On se trompe pas sur les chiffres, hein? Hein? 2 plus 2? 9. Ah! Ça fait 4! Non, ça fait 22. Non, ça fait 9. 4. Non. Et toi, va te faire cœur à 9. Et à la 4, à la coque. LOL! Nous n'avons absolument rien compris de toute cette discussion. On a un creeper! Voilà. Ça. Et freeze. Ah, tout en haut. Y'a un creeper tout en haut sur ta baraque, il est pas freeze du tout. Ouais, bah là c'est bon. Et salut à tous, et bien c'est Katoon. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de Hiddencraft. Et ouais, donc j'ai fini mon tunnel du Nether. Et vous allez voir, c'est très beau. Alors par contre, j'ai pas de bouton, donc pour le moment, c'est... On se démerde pour avancer comme on peut. Et voici ce que ça donne. Donc regardez pour la montée slash descente, selon dans quel sens vous le prenez, ça donne ça. Et après, avec les couleurs de clé, ça donne un truc très beau. Donc au final, je suis parti assez classique, bleu, vert, rouge. Comment rappeler les Pokémon, enfin les couleurs des Pokémon de départ dans toutes les versions. Avec aux plantes feu. Bref. Et donc du coup, vous voyez, pour l'alimentation des rails, donc j'ai placé à chaque fois mes rail boosters entre le rouge et le bleu. Donc ça fait plus ou moins tous les 9 blocs. Et j'ai mis des détecteurs rails pour les alimenter, parce que j'avais pas envie de m'énerver à recasser les escaliers pour mettre des leviers ou mettre des blocs de redstone, parce que ça coûte un peu cher. Donc voilà. Donc du coup, ça c'est un tunnel du Nether de fait. Mais le truc, c'est qu'il va falloir du coup faire de l'autre côté. Et ouais. Et du coup, il me reste un petit virage avant d'être de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, pour le moment, il n'y a rien de fait. J'ai même pas d'arrivée vraiment bien faite. Donc du coup, il va falloir s'occuper de ça dans cet épisode. Et du coup, aussi, peut-être creuser un petit trou dans le plafond du Nether. Grâce à un bug avec des flèches et de la TNT. Donc on va sûrement voir ça un peu plus tard. Alors, me revoilà. Donc je suis retour avec du stuff. Et du coup, on va être parti pour, et ben du coup, aller dans le plafond du Nether. Donc je vais sur la petite plateforme, deux underperles, et j'y suis. Oh, remarque, une saurait suffit. L'autre, elle est tombée? Ah, ok, non, elle m'a TP ici. Alors ça, c'est ce que j'ai au-dessus du plafond du Nether. Ça, c'est le portail, c'est quand j'avais testé. Voir, en fait, où est-ce que j'allais atterrir. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un bug qui a été découvert par un YouTuber, dont je ne sais plus son nom du tout. Et on va voir. Donc, et en fait, ce YouTuber a trouvé un truc où on peut créer un trou dans la bedrock, enfin détruire la bedrock grâce à un bug avec de la TNT. Donc pour faire ça, ça va être simple, il va nous falloir ça. Faudrait mieux que je monte ce truc là plus haut parce que ça risque de gêner avec... Ouais bref, donc je vais préparer le truc et je vais vous le montrer dès que j'ai fini. Alors voilà, voici le principe. Alors en fait, on a une TNT au-dessus de la lave. On a un dispenser qui va tirer des flèches vers cette TNT. Et là, normalement, on devrait voir une flèche bugger bientôt et tomber. Et là, en fait, cette flèche, faut qu'elle tombe en fait par terre, en traversant la lave.
Et de cette façon, en fait, en traversant la lave, elle va en fait s'enflammer. Et normalement, dès qu'elle touche la bedrock, elle est censée se transformer en fait en... Elle est censée se transformer la bedrock qu'elle touche en TNT. Voilà, vous avez vu. Allez, vite, 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 faut que j'aille arrêter. Ah merde, bon, ça a détruit les panneaux. Ouais. Bon, vous voyez le truc. En gros, là, du coup, je viens de détruire une bedrock. Ouais, donc du coup, ça détruit les panneaux, en fait. Faudra que je mette quand même tout ça encore plus haut. Ça va que j'ai des panneaux de rab, hein. Ouais. Ouais, donc ce que je vais faire, c'est que je vais décaler les panneaux un de plus haut et on va recommencer. Donc vous voyez, ça a retiré un des blocs de bedrock. Donc voilà, donc c'est ça que je vais faire. Il va falloir que je casse ces panneaux-là. Hop, plutôt ceux-là, je devrais dire. Et que je les remplace un bloc plus haut. Les panneaux, où êtes-vous? Vous êtes ici. Alors est-ce que du coup j'en ai assez ou est-ce que je vais devoir faire un aller-retour? J'ai l'impression que je vais en avoir assez. Ouais, je vais en avoir assez. Parfait. Alors, c'est reparti. Je vais essayer de vous la voyez en direct ce coup-ci, la flèche tombée. Ah, ce coup-ci, ça n'a pas marché. Elle n'a pas traversé le feu. Allez, hop, c'est bon. On a une deuxième TNT. Voilà. Donc, comme ça, on a retiré un deuxième bloc de bedrock. Ah, et même un troisième. Vous voyez, il y a une TNT qui est tombée ici. Ouh, et du coup là ça fait direct un trou vers le nether. Donc là on a déjà un trou vers le nether, je récupère les flèches. Voilà. Je me demande comment elle a fait pour tomber aussi loin cette flèche, mais bon, mais vous voyez ça marche. Donc je vais faire une petite timelapse de blocs retirés de bedrock. Et je vous retrouve un peu plus tard du coup dès qu'on a de la bedrock qui est partie. Allez, à plus tard. Fuck! La lave elle a allumé la TNT, donc du coup ça a tout fait tomber. Ah, je vais devoir rechercher des panneaux. C'est pas grave. Bon, comme vous avez vu, ça faille un petit peu du fait que la TNT se fait brûler par la lave. Je vais la monter d'un bloc de plus, voir si ça arrange. Parce que je vous avoue que je n'ai pas du tout regardé... je ne suis pas du tout retourné voir la vidéo de JL, donc je ne sais pas du tout si c'est fait correctement ou pas. Et là, je crois qu'on a une autre TNT qui a pété. Ouais, c'est ça. Et on en a une deuxième là. Vous voyez, les flèches font des trucs un peu bizarres par moment. Elles font péter des trous ici. Donc pourquoi pas, mais c'est pas spécialement là que j'en veux, mais bon, je vais pas m'en plaindre. Donc alors, je vais continuer de faire tomber des flèches, je vais juste récupérer celles qui sont sur la TNT, ouais, enfin bref. Je vais continuer de faire joujou avec les flèches. Bon, et bien vous voyez, on a déjà un trou. Je vais voir où est-ce qu'il mène, je ne pense pas qu'il soit au-dessus de mon truc. On va underperler. Ah si. Je crois que j'ai même détruit mon portail. Ouais. J'ai détruit mon portail, on dirait. Je vais boucher cette lave là. Bah tiens, je vais la récupérer tant qu'à faire. Hop. Je vais remonter. Ah non, mon portail est là, ok. D'accord, donc il y a ce plafond là que je vais essayer de détruire. Ouais, bon, faut pas que je détruise trop mon... Hop, ça serait con. Bon, tant pis, j'ai une glowstone qui s'est perdue, on dirait. Ouais, donc je crois que je vais devoir décaler mon truc en haut pour que ça soit plus au-dessus du portail. Et voilà, et donc... Parce que vous voyez, mon portail, il est à ce niveau-là. Ouais, donc il va falloir que je bouge ça un peu, je pense. Parce que là, c'est pas spécialement ici que j'aurai besoin d'un trou. Quoique, je peux me débrouiller avec ça et faire un escalier. Ouais, je sais pas. Bonne question. Bon, je vais voir ce que je vais faire. Eh bien, relégeant, donc ça y est, j'ai fait un petit trou. Bon, je voulais juste ce trou de 2 de large parce qu'il était pas très loin de mon tunnel. Il est un peu
peu plus proche que ce trou là ici. J'ai pas d'underpearl pour vous montrer par contre. Et d'ailleurs, comment je vais rentrer sans underpearl? Telle est la question. À la limite, je peux rentrer par là en faisant comme ça. Et après, je. Yo, oh, j'ai réussi le saut, j'y crois pas. Houhou, je pensais pas du tout y arriver. Et d'ailleurs, toi, je t'avais demandé de t'arrêter la lave, mais bon, faut croire que t'avais une autre source. Ouais, donc si on va juste ici, qu'on tourne à droite, et là, trou. Et d'ailleurs, ici, on dirait qu'il y a de la glo. Ouais, donc ici, il y a un trou de dodo qu'on va aménager. Et je pense que je vais continuer de faire péter un peu de TNT. Histoire de creuser ça jusqu'en bas du nether pour que je puisse également faire un ascenseur. Donc ça va gérer ça. Eh bien, re les gens. Alors, regardez le trou. Il descend jusqu'ici et il arrive ici, si c'est pas parfait. Mais non, j'ai pas failli crever. C'est à toi qu'être le portail là. Je sais pas de quel portail il parle, si c'est de celui en haut. Je suppose que oui. Mais je sais, là, creuse pas tout. Creuse pas là. Oh là là, il est pas possible lui. Il me fait des trous là où j'en veux pas. Alors là, je peux faire ce saut. Olé. Je me gave. Donc ensuite, à partir de là, je devais sûrement faire un ascenseur underpearl ou quelque chose, ou d'une manière ou d'une autre. Et du coup, je vais voir comment je vais me débrouiller. Déjà, il va falloir que je fasse une plateforme, ça c'est sûr. Donc c'est parti, on va commencer par la plateforme. Donc j'ai pris des dalles en stone et en stone brick. Donc on va sûrement essayer de faire un petit cercle et alterner la stone et la stone brick pour voir ce qu'il y a. Alors déjà, il va falloir que je trouve le centre. J'ai pris un peu de cobble que je peux gaspiller, c'est parfait. On va utiliser ça. Je pense que je vais faire à cette hauteur. Ouais, ce sera bien. Parce que j'aimerais l'avoir légèrement plus bas que le reste en fait. Voire, ouais, encore plus bas. Allez, on va le faire là, un bloc au-dessus de la lave. Donc en fait, je vais le faire en dalle tout simplement parce qu'au moins les mobs ne spawnent pas dessus. Donc ça résout le problème. Alors là, le but c'est d'avoir le centre. Donc la question c'est où est-il? Je crois que je dois décaler un peu par là, j'ai l'impression. Et peut-être un bloc là. Oh, j'ai l'impression d'être au centre là. Peut-être là plutôt. Ce bloc ici. Ouais, on va dire que c'est le centre ici. Donc on va le marquer avec une dalle tout court. Ouais. Donc ça c'est le centre. Et on va faire... Bon là faut faire gaffe parce que sneak sur les dalles c'est complètement buggé. Hop. On va commencer par faire ça. Alors est-ce que je suis au centre? Non, je pense que c'est plus là le centre. Je vais arriver à me décider, vous allez voir. Alors, est-ce que le centre c'est là? Merde, j'ai cassé deux blocs de trop. Ouais, on va dire que c'est là le centre. Hein. Donc, après, je vais faire quelques petits cercles en dalle. Et voilà! Et bien, voici ce que j'aimerais que. Ce que donne mon truc. Donc, ça, c'est un cercle. Vous allez me dire. Et bon, bon, j'ai essayé de faire une petite alternance dalle stone brick. Hein, c'est un truc assez basique. Ouais. C'est pas le truc le plus beau de tous les temps, mais c'est pas le truc le plus moche de tous les temps. Donc je vais le garder comme ça. Alors là, je sais pas trop exactement ce que je vais faire. Exactement. Donc déjà, première chose, pourquoi je construis ça? C'est pour faire un ascenseur à underpearl. Pour monter tout en haut du nether et même sur le toit du nether. Ça, c'est l'objectif. Ensuite, je ne sais pas si par exemple je vais faire... Si je vais laisser ça vide, ou si par exemple je vais alterner des dalles. Et je pense que le plus simple d'ailleurs ce serait d'alterner avec des dalles comme ceci, ça sera largement plus simple à poser. Donc j'ai ça comme idée. Ou sinon je laisse vide, mais le problème c'est que les gaz ça va poser problème. Ça, ça protège pas totalement des gaz, mais les dalles ça protège au moins déjà la moitié des tirs.
Donc je sais pas lequel choisir. Donc je pense que je vais déjà faire un anneau. Et je vais y réfléchir un petit peu plus tard. Eh bien, les gens, donc j'ai un petit peu avancé du coup sur le truc. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est creuser en fait, du coup mon machin pour que ça ait la forme en fait de mon truc qui est en bas, qui est une forme de cercle comme vous l'avez vu. Et du coup, vous allez voir ce que ça donne dès que j'y serai. Donc très bientôt, j'espère. Alors je vérifie juste que je suis bien 5 de large, 1, 2, 3, 4. Ah mince, j'ai oublié. Un étage ici. Il faut que je rebouche là. Ouais. Donc je vais creuser ça jusqu'en bas, je suis pas très loin, donc vous allez voir ça très bientôt. Oh tiens, de la lave, et vite, c'est bon, je l'ai viré. Allez, vire la lave, dégage. Bon, du coup j'aurai un peu de lave à enlever, je pense. On verra. Allez, j'y suis presque. Vraiment trop de lave, quoi. Allez, on y est presque. Ah oh, putain, la lave elle est casse-couille. Elle est vraiment casse-couille cette lave. Ouais, donc je vais continuer d'enlever ça et je trouve jusqu'en bas ou je reste avec vous. Ouais, non, je pense que je vais vous retrouver dès que j'ai fini d'enlever quelques blocs. Pour vous montrer ça parce que franchement, trop de lave. Alors voilà, je suis sur le dernier étage. Alors vous allez voir ça. Ça va se révéler sous vos yeux. Bon, du coup, il y aura juste de la lave qui partira un peu plus tard. Voilà. Donc ça, c'est le truc. Alors, on va juste détruire ces deux blocs. Oh putain, il est où, le ghast? Il est où? Je ne sais pas où est ce ghast. Bon, il y a un ghast dans le coin, mais regardez, pour le moment, ça donne ceci. Donc, tout simplement, un petit, comme vous avez vu, un dalle, etc. Alors là, j'ai fait une entrée. Je pense que c'est temporaire. Il me stresse, ce ghast, hein. Je sais pas où il est. Je pense qu'il est de l'autre côté. Mais je le vois pas du tout. Bon, la lave, du coup, elle va bien s'enlever au bout d'un moment. Mais ouais. Donc, du coup, ça serait sur un truc comme ça. Et en faisant cette entrée, ça m'a donné l'idée de refaire ce type de pilier. Je pense que je vais faire là, ici, jusqu'en haut. Pareil de l'autre côté au bout de 5. Et sur le pilier du milieu. Il est où le ghast? Parce que dès que je suis par là, il tire, j'ai l'impression. En haut. Attends, je vérifie que j'ai bien les écouteurs gauche dans l'oreille gauche. Oui, c'est ça. Ouais, donc il devrait être par là. Ah, je crois qu'il est là-bas. Ah, il est dans la lave, d'accord. Alors, le... Meurt, voilà. Espèce de ghast. Ouais, donc voilà, donc c'est ça de fait. Donc je vais continuer à creuser, je pense. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. Il y a quelque chose que je comprends pas trop. Alors, je voulais me faire des patates. Parce que j'avais plus de bouffe. Là, c'est mes derniers stocks de patates cuites. Et tout d'un coup, une poudre de redstone a eu décidé de s'envoler. Je n'ai pas compris parce que l'eau, il n'y a aucun moyen qu'elle se soit enfuie. Donc, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais il y a une poudre de redstone qui a volé. J'ai jamais vu ça. Ça devait être un bug. Un bug serveur, parce que le serveur a quelques petits lags quand même. Et ça doit être ça qui a dû faire voler la poudre de redstone. Je ne vois pas d'autre solution. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Bon, du coup, c'est bien. Je suis restocké en patate. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je vais faire cuire 4 stacks. Ça en fera déjà pas mal. Et ouais, vous voyez ici, du coup, ça produit mais largement suffisamment hein, par rapport à ce que j'en ai besoin. J'en ai pas utilisé depuis que je les ai faites, ces farms, à part un petit peu de pastèque pour la bouffe. D'ailleurs, je crois que je vais m'en prendre un petit stack sur moi pour les manger. Et le 9, allez, c'est parti. Mais vous voyez, ça produit toujours très bien, ces trucs-là. Eh bien, relégende, donc comme vous voyez, j'ai fait les piliers principaux du coup du truc. Et ça donne ça quand on est en bas. Alors, c'est pas mal. Bon, par contre, voyez, j'ai un gaz, bon, j'ai pas de flèche pour le tuer. Alors, le problème que je vais avoir, c'est que les gaz peuvent me voir à travers les dalles. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra régler. Je pense qu'il y aura... soit du verre à l'extérieur ou je sais pas. Il y a deux ghasts. J'ai entendu deux bruits. Il y en a un là, mais... de l'autre côté. Non. Droite. J'ai dit mon écouteur. Non. Ah, il est là, le deuxième. Vous voyez, donc les ghasts me voient à travers. Donc ça va être un peu chiant. Bon, pas tout le temps, donc... Et le truc, c'est que comme je ferai sûrement passer des rails de minecart quelque part... si je me démerde pour les protéger directement à l'intérieur du cercle, ça va bouffer vraiment énormément de place. Donc je sais pas comment je vais faire, ce que vous voyez. Non, là c'est pas passé à travers.
Faudrait que je regarde, mais normalement ça passe à travers. Du peu que j'en ai vu, il y en a qui sont passés à travers. Alors vas-y. Alors là, c'est pas passé. Vas-y, tire. Je veux que tu montes si ça passe à travers. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Ah, il y en a un deuxième là. Ouais, vous voyez, ça passe à travers, donc. Va y avoir problème sur ce point là. Donc, comme vous avez dit, du coup, j'ai fait les trucs principales et j'ai creusé une partie du trou. Ça va être super, hein. On va parler en évitant des boules de ghast. Donc, du coup, il y a le trou là, j'ai en train d'enlever de la netherrack. Donc, ça prend énormément, énormément, énormément de temps. Du coup, je n'aurai pas le temps de. Je n'aurai pas le temps de faire d'autre chose dans cet épisode et j'espère que les ghast vont ne pas m'empêcher de parler. Parce que ça fait beaucoup de bruit dans mes oreilles. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui, je pense, parce que je suis désolé du coup, comme je le disais, si c'est un peu faible en contenu de moi en train de creuser un trou, mais il en reste encore beaucoup à creuser, et ouais, donc ça prend beaucoup de temps, et voilà. Donc c'était Katoon, j'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis, tir croisé de ghast. Ouais, donc vous voyez, je suis dans ma base, et vous savez quoi, on va faire... Non, pas ça, on fait... Ah merde, je suis retombé dans l'eau, ça marche pas. Bon d'accord, alors je fais youhou, et ensuite on va aller dans le Nether. Ouais, alors nous voici dans le Nether, puisqu'il faut qu'on aille au biome Mesa. D'accord, le jeu qui veut pas chercher. Parce que j'ai deux, trois trucs qui ont bougé, notamment... Vous allez voir ça. Donc évidemment j'ai rattrapé tout ce que j'avais perdu dans le dernier épisode.